Merci aussi là pour cette soirée et puis merci à toutes les jeunes aussi d'avoir donc exécuté ces chants pour nous. Merci aussi si vous voulez pour ce que vous représentez, vous nous rappelez cette importance des martyrs coréens. Et pour nous évidemment ça retentit beaucoup avec tout ce que nous avons vu depuis le début de notre pèlerinage, où tout à la fois nous avons découvrir encore plus profondément ce qu'avait été la vie concrète, quotidienne, des missionnaires qui venaient de France et qui, de fait, ont vécu là, dans un univers qui leur était étranger, mais dans lequel, petit à petit, ils se sont familiarisés pour que ça devienne véritablement leur pays. Mais nous avons aussi découvert ce qu'était la vie de ces communautés chrétiennes que ces missionnaires rencontraient. Et de fait, moi-même, j'ai mieux réalisé ce que représentait le sacrifice de beaucoup de laïcs, de beaucoup de familles qui avaient pris bien des risques pour être chrétiens et pour accueillir ces missionnaires. Et ma mère, comme vous l'avez dit, je crois que l'évocation de ces martyrs nous appelle nous-mêmes à nous enraciner encore plus profondément dans la foi, dans l'amour du Seigneur et dans la fidélité à l'Évangile. Nous découvrons aussi ce soir, pour tous ceux qui sont là, que ces liens entre l'Église de Corée et l'Église de France ne se sont pas arrêtés simplement à l'époque de nos martyrs, mais continuent, puisqu'il y a des missionnaires qui sont dans des diocèses français, et il y a des sœurs aussi qui viennent, je crois, depuis peu, d'arriver en France. Voilà, en tout cas, merci de nous faire vivre comme ça, véritablement en respirant l'air de l'Église universelle.